Bonsoir à tous. La soirée du Paris Saint-Germain était compliquée hier soir. Le Paris Saint-Germain a mal débuté, encore une fois, la phase à élimination. Le Paris Saint-Germain, après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale, s'était incliné 3 buts à 2 à l'aller au Parc des Princes, s'est imposé largement 4 buts à 1, dont un doublé de Kylian Mbappé à Montjuïc, donc avait logiquement et largement éliminé le FC Barcelone pour passer en demi-finale. Le Borussia Dortmund, eux, affrontaient l'Atlético de Madrid. Le Borussia Dortmund avait réussi à éliminer en double confrontation l'Atlético Madrid de Diego Simeone, donc Dortmund et Paris, le remake des phases de poule où pendant les phases de poule, le Paris Saint-Germain avait fait match nul, un but partout à Dortmund, et s'était logiquement imposé 2 buts à 0 au Parc des Princes pour se qualifier avec la deuxième place du groupe en phase de poule. Donc il se retrouve, le remake, et le Paris Saint-Germain s'est incliné 1 but à 0. Je ne vous ferai pas le débrief, j'ai fait un post sur le résultat de ce match, j'ai donné mon avis un petit peu sur ce match et sur ce déroulé de match et surtout sur ce score. En vue du match retour, je l'ai fait dans le post communautaire, mais je ne vous ferai pas de débrief sur cette rencontre. Mais ce que j'ai envie quand même de parler, c'est parce qu'il y a eu un international français qui s'est blessé lors de cette rencontre, malgré que cet international français est un pur Marseillais, a toujours dit qu'il ne jouerait jamais pour le Paris Saint-Germain et que ça serait très difficile de signer là-bas en tant que Marseillais, et il nous a trahis en signant là-bas. Mais pourquoi je vous parle de cette info? Parce que déjà, il y a sûrement des supporters parisiens dans mes abonnés qui aimeraient avoir des infos sur cette personne et après ce qui s'est passé hier à Dortmund. Et aussi parce que ça reste un de nos internationaux français et ça reste très important parce qu'il est français. Et quand on parle d'un joueur français qui est en sélection et qui joue en club et qui se passe quelque chose pour lui, faut en parler. Donc il s'agit de Lucas Hernandez. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il s'était blessé au genou droit en Australie lors de la Coupe du Monde avec les Bleus en 2022. En Australie, au Qatar, pardon. Il s'était blessé lors du premier match des phases de poule. Il s'était fait la rupture des ligaments croisés du genou droit. Il n'avait pas pu poursuivre le reste de la Coupe du Monde. Surtout la Coupe du Monde, il avait déclaré forfait. Il était revenu plusieurs mois après avec le Paris Saint-Germain. Là, c'est le remake de Dortmund Paris, mais c'est aussi le remake, malheureusement, de cette blessure. Il a rechuté, mais cette fois-ci pas au genou droit, mais au genou gauche. Il a été touché au genou gauche au moment du but et du seul but du match de Niklas Füllkrug du côté du Borussia Dortmund. Et Lucas Hernandez a dû quitter ses partenaires malgré qu'il soit revenu. Il était pendant 5 minutes au sol, il a été soigné, il est sorti, il a un petit peu piétiné un petit peu, essayé de faire des gestes. Il est revenu sur le terrain. Avec des touches de balle, il a refait des gestes pour voir s'il pouvait tenir. Et il s'est mis au sol, il ne pouvait pas continuer. Une rupture de nouveau des ligaments croisés. On aurait pu croire que ça serait le genou droit et qu'il aurait rechuté. Mais il a bien rechuté, mais pas du même genou. Il a rechuté du genou gauche, où la rupture du ligament croisé était redoutée après cette blessure et durant de longues heures après ce match. Et ça a été confirmé par le club. Il a passé un IRM et cette fois-ci, ce n'est pas le genou droit, mais le genou gauche. Et il s'est fait une rupture des ligaments croisés. Donc le moment où tout a basculé dans ce match, en plus du but à la 35e minute, Schlotterberg, le défenseur de Dortmund, lance Füllkrug à la limite du hors-jeu, mais qui n'est pas du tout hors-jeu et que Paris méritait de se prendre un but. Lucas Hernandez fonce pour empêcher l'attaquant allemand de tirer et de marquer, mais arrive beaucoup trop tard pour contrer la balle. Mais par contre, il ne s'est pas relevé parce qu'il s'est blessé dans le contact. Et son genou gauche s'est plié anormalement. Exactement comme il s'était fait avec le genou droit à la Coupe du Monde. Et la grimace du défenseur a un petit peu fait peur. Il s'est testé quelques minutes au bord du terrain et sur le terrain, mais malheureusement, 5 minutes après, il a dû renoncer à poursuivre la rencontre. Il s'est mis au sol, il a un petit peu boitillé et les premiers retours ne laissaient rien paraître de bon, surtout après les propos de Luis Enrique, qui avait un petit peu peur et qui ne pouvait pas nous donner d'infos, mais que c'était rien de positif. Et l'IRM qu'il a passé au lendemain du match, le Paris Saint-Germain a communiqué suite à cette blessure et suite à ce diagnostic. Il a dit que Lucas Hernandez est sorti sur blessure lors du match du UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ils ont annoncé la fin de saison pour lui et également le forfait
Donc quelques mois cet été pour l'Euro 2024 en Allemagne, il ne pourra pas y participer, ça sera beaucoup trop court. Ils ont donc communiqué que il est sorti sur blessure donc hier lors du match entre Dortmund et Paris et que Lucas Hernandez souffre de nouveau d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il y a quelques mois lors de la Coupe du Monde, s'était fait le genou antérieur droit. Il s'était fait une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Là, c'est le genou gauche. Ils annoncent également qu'il a pratiqué aujourd'hui un IRM pour confirmer le diagnostic et voir l'ampleur des dégâts de cette blessure. Et le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite pour voir dans sa rééducation et voir pour son retour et son indisponibilité. Mais ils ont officiellement annoncé que il serait forfait pour la fin de saison et les trois derniers matchs parisiens et qu'il sera également forfait pour l'Euro 2024 cet été en Allemagne avec les Bleus de Didier Deschamps. Donc c'est une rechute. Il faudra un petit peu changer les plans du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Aussi un petit peu normalement pour le début de la saison prochaine avec notamment le mercato estival. Et côté des Bleus, bah, il faudra, si Didier Deschamps prévoyait de le prendre, il faudra aussi changer ses plans et revoir tout pour formuler une belle liste pour l'Euro et aller gagner l'Euro sans Lucas Hernandez qui a rechuté. Pas au même genou, mais à l'autre genou, mais c'est de nouveau fait une rupture des ligaments croisés.